Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de suivre Contact Pro Life. C'est Germain Kaindo qui vous présente cette émission. Si vous êtes là pour la première fois, en tout cas, soyez le bienvenu. Nous sommes une émission où nous parlons de la République démocratique du Congo. Et souvent, donc, le principal de notre émission, c'est la Constitution. Nous faisons des réflexions ici, nous parlons de ce qui se passe. Mais nous avons beaucoup besoin de vos commentaires parce que ce sont vos commentaires qui orientent nos sujets, qui se relatent sur à chercher la solution afin que à ce problème qui traverse notre pays, le problème de l'insécurité, le problème de mismanagement, comme on dit en anglais, nous essayons, comme tout Congolais, à apporter notre voix. Et nous sommes très contents que nos propos, nos points de vue sont accueillis par beaucoup de ceux qui nous suivent, car ils ne cessent de nous encourager. C'est pourquoi, c'est la cause qui fait à ce que nous puissions continuer à vous amener cette émission. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je vais vous demander si vous êtes là pour la première fois. En tout cas, essayez de nous laisser un message. Si vous allez aimer, ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne parce que c'est ça qui fait qui nous pousse encore à faire mieux. Donnez-nous le point où vous n'avez pas été d'accord avec moi. Donnez-nous le point positif. Parlez-nous un peu de ce que vous aviez vu, vous constatez si vous êtes là pour la première fois. Mais si vous êtes comme parmi nos abonnés, faites des likes, continuez à partager nos émissions. C'est ça qui fait que nous puissions persister à être sur le net, surtout sur Facebook et sur YouTube. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Notre émission sera constituée de deux parties. La première partie, nous allons parler justement des marches qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train d'enregistrer cette émission, il est 14h à Johannesburg, donc 13h à Kinshasa. Nous venons d'avoir des images de marche, nous venons d'avoir le point de vue des gens qui ont été sur place, qui ont été bousculés dans le marche, nous en parlerons. Et dans la deuxième partie qui se consistera que la grande partie de cette émission, c'est l'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo. Je vais vous en parler des événements qui ont eu lieu à Issale le 13 et le 14, le 12 et le 13 septembre. Il y a eu des massacres là-bas. Je vais vous en parler, c'est vraiment très ezamawa. Nous parlerons des FARDC et sur la logistique et comment est-ce que cet état de siège vraiment est en train de couler. Surtout, nous parlerons du discours du maire de Beni. Le maire de Beni vient encore faire des histoires impossibles. Il a parlé des choses qui énervent. Je vous en parle dans cette émission. Avant d'aller un peu plus loin, donc, nous allons prendre comme d'habitude le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élections-net.com. Kinshasa, le manifestant dispersé à coups de gaz lacrymogène. Et puis, toujours marche contre marche de Fayulu. Donc, la Mouka, ça c'est à Kananga. Marche contre la politisation de la CENI. Kaliko et effigie de la Mouka, ravi par la police. On va sur actualité.cd. Kinshasa, GED exige des excuses officielles du chef de la police après l'agression brutale des journalistes lors d'une manifestation de l'opposition. Et puis Martin Fayulu a comment déployer cette force policière pour nous détruire alors que la population congolaise en a besoin à Nitouri. Congo profond, ici RDC, les 7 axes de Modeste Bahati pour renforcer le Sénat et le
le rapprocher des provinces. Et puis Gabriel Kyungu Linafek confirme son inhumation ce jeudi 16 septembre dans la ferme de Kayambiambi. 7 sur 7, la session septembre s'ouvre ce mercredi au Parlement. Et puis Didier Boudimbou dote de son Aïdroc des moyens de locomotion. Et puis encore une fois, Fayoulou, certains dirigeants du monde sont trop tolérants à l'égard de quelqu'un qui n'a pas gagné, qui passe son temps à draguer les jeunes filles et voyager. On va terminer par Radio Okapi. Incendie consume l'hôtel de la police de Bukavu. Et puis Constant Mutamba dénonce la répression de la marche de Lamuka Senojek. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, chers amis, nous allons commencer d'abord par Makambo Ezouta Kinshasa. Je crois que la plus grosse erreur que Fatshi est encore en train de commettre, c'est d'interdire les marches. Ça, c'est une violation flagrante de la Constitution. Et puis, Azo Pesa Siko, Beki na opposition, et ça, na ebite soki bato bazako, boya ba marche, on a bazako, sala en faveur de Fatshi, ou bien bazako, ko dénigrer Siko, ko ternir l'image à président de la République actuelle. Et je crois que le président devrait taper sur la table pour combattre justement parce que ses ennemis, ba ennemis à Fatshi, Zabato, Bazako, Kobetele, Maboko, tous ces Bazawapi, Bazawana, na gouvernement, Bazapembeni, Pembeni, Nae, ce sont ces gens-là qu'il a recrutés dans l'Union sacrée, ba ennemis Nae, Bangoana, qui sont encore sur les postes de responsabilité. Imagine-toi Ngobila, nous les connaissons comme quelqu'un de du peuple de Mutu ou ya Kabila Kala. Dans le régime ya Kabila Babilo quand on débute son travail qu'on combatte, il applique la même chose. Mais c'est quoi le point à faire couler Fatshi? Parce que Babilo quand on est exacto Kendeboé, le crédit est à la tête du président de la République. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je vais vous en parler dans une autre émission au Tokolobela, vraiment Likambo en loi et à l'âge. Mais token de Sikoyo na Likambo, Merabe ni Bandeko, Abimi, na ba média kuna, na ba radio, na communauté locale kuna, alobi makambo ya Sony, alobi makambo ya Sony, eza ko. Kope sa batu alobi, mais moutou a eko protégé, puis son de moutou aza koloba makambo a boe. On se pose la question si vraiment communication entre la population na armée eko zalande ngeni. Vous êtes au courant que Beni ba décréta qu'il journée à lundi na mardi comme ville morte. Et si mina ngo batu bakendaki na bangu misala te baloba ki baza kolela, c'était des villes mortes, baza kolela, donc baza na matanga. Mais vous allez entendre le langage de ba maire ya ville ya Beni oyo ya nani ya militaire wana makambo ekoloba lobi afingi batu. Vous pouvez vous imaginer. Azo finga bato alobi bino mokanisi ba marche wana ekosala nini? Bino mokanisi, c'est la population qui est meurtrie. Est-ce que vraiment collaboration avec FARDC na population ekosala? Et je vous informe qu'hier, FARDC moko bautaki koboma e na kote ya nani kuna ba assassiner lisusu. Donc, un militaire FARDC, population ekangie ebomie. Pourquoi? Parce qu'il y a cassure totalement entre collaboration, population, na bateau baza ko assurer donc état de siège wana. Cassure Zali, il n'y a pas de collaboration. Nani ne fois Zala, ayoka baninga. C'est lui qui doit écouter beaucoup de gens. Ce sont les gens qui sont à la tête de notre pays. Ce sont ces gens-là qui doivent écouter les autres, la population en disant que bon, ok. Nous sommes venus pour vous protéger. Donnez-nous les informations. Tout collaborer ensemble pour que
toye bandenge nini toko établir sécurité. Mais il ne vient pas avec ce langage-là. Aye na langage akofinga bato akoyebisa bango ke non. Ba grève wana ta ba marche wana bokanisi yango ne mutoko pesa bino pe. Vous voyez maintenant qu'il y a maintenant kasir ko faire de ce na population bakoki ko collaborer te po batia pe. La population est en train de voir que Aza délaissé, Azo tika la ye moko donc il n'a plus où aller parce que ba tieni l'assassin comme mon konzi ya mboka. C'est lui qui commandite ba assassinat wana. Yangwana bomoni, mutu un phare de ce haut. Vous allez vous poser la question, comment un phare de ce avec na minduki, ba population kangie et bomie, ba tike, vraiment, nazakutu na soni ya kola, kisabino ba photo ya policier, ya militaire, na koma akufi. Vous allez vous poser la question, est-ce que azalaki kotambo la ye moko? Est-ce que azalaki wapi? Ezalaki justement na ba barrière oyo, ba erija, na kati ya balabala kote kuna population ye ekutiye e botolie munduki ba betie lokola nyoka akufi et ils sont décidés population kote kuna eza décidé yo soldat yo far de ce keba donc kotambola keba parce que ils savent que non dans le far de ce bango de mtu baza ko boma ce sont te qui sont en train de tuer bandeko. Je vous ai parlé hier, avant-hier, na dossier ya massacre oyo. Avant na le kalikamba logistique ya ba faire de ces logistiques to kolobela nini. Mais na lobela bino na massacre ya le 12 na le 13 septembre oyo na côté à Isale. ADF kotaki na village moko e koti na Zamba. ADF bomi à peu près na faire ba 35 personnes, 35 40 personnes kuna ba kufaki. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand le ADF sango eye sikoyo na mboka parce que bato na bazala ki neti côté à Mwazamba. Bato basali en banquette na village eza bato oyo bayoka ki sango ke faire ADF a koti parce que système côté kuna commandé nini. Soki kaka boyo ki kaka basango ya déjà des systèmes o ba pesa ka ba banani ba ba pesa ka ba alarme tout ça ba tu ba bimaka na mboka ba koti Zamba ADF koya ba o makutani na ba mboka na ndaku kuna ba koboma bango ba kuna alors ba koma ko sala soki ba kuti deja ke village ba si ba évacuer ba komba tumbi ba ndaku ba leki na bango ba kei mais cette fois là ADF la ndaki ba tuti na Zamba kokoma na Zamba kuna babomaki batu bato mususu bakibaki tango bayeko koma na mboka bayeko kuta ke no e batu bakufaki. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à chercher le leur. Alors FARDC na biso eyeko sécuriser tango sangwana ekomi FARDC eko sécuriser mboka wana na kote ya Isale. Mes chers amis, les gens qui cherchaient le leur o batu bakufi bakende kotala babibembe. Le FARDC ont commencé à demander 200 à 150 dollars. 150 à 200 dollars pour na kokota kokende koluka ko récupérer bembena. Ya bembena bino. Botali mutwazate botali bobi. FARDC bokende botika biso tokende kozwa batwana to ya kokunda bango avec dignité. Non. Le FARDC a monnayé le cadavre. C'est grave likambu oyo. Et likambu nyoso eyebani na Kinshasa te. C'est pour cela que nous en parlons. Ce n'est pas que nous sommes en train de dire des balivernes, non. Ce sont les gens qui nous appellent en nous disant que même pour enterrer nos morts, le FARDC est en train de monnayer. Est-ce que le président connaît ces histoires ici? Bozon yo kaka rapport à FARDC balobi que non, makamboza bien, toza kwa sire boy, toza kwa sala boy. On donne cette information au président de la République pour la mabuye po a mona ke no bango bazo salele musala bien. Langage à l'okuta, on est en train de mentir le président de la République. C'est pour cela que nous avions dit, le président de la République, azako banga ba soda oyo, alingi koyo ka population te. Mais ces atrocités que la population est en train de subir, président koya koloba ke no ayebi angote. Mituna sikoyo, makamboye kosi la kandenge nini. Ces histoires vont terminer comment avec ces deux langages-là? La population est en train de vivre une autre situation. Le président de la République, tant qu'il y a un cabinet, il y a un cabinet qui a été quitté.
C'est-à-dire que nous sommes en train de nous entretuer. Et lorsque nous disons que le président de la République doit prendre toute l'armée, armée na enyo somo bimba wana baza kote kuna, a cantonné na nubango, est-ce que vraiment aza koyo kabisote? Le président ne nous entend pas vraiment. Azo yo kabisote makambo tozo loba. Il entend azo yeba yangoba tuna esokia. S'il a se coupé dans les réseaux sociaux, il a commis une grosse erreur. Parce que la vérité, il ne saura pas na bakano na yo bato ba informa kaye. Il ne le saura pas. Il peut dire aujourd'hui que non, gana yeba ki makambo oyote. Lorsque Jason a bandé ko yebise ba makambo, alinga ki alela. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passait le 12 au 13 septembre à Wakaka, l'obilo. C'est vraiment ça mawa faire de ces ça comme monnaie ba cadavre au ADF abomi. Est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce que vous pouvez imaginer les Kambwana? Bon, si comme ils sont au côté de la Kimia Ndengeni, on va rester comme ça sans dire un mot? C'est grave ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo Bande. Et ça mawa. Les ADF n'existent, ils sont au sein même de FARDC. Parce que Batouana tango bazolo bano bakangi batou population ekota na zamba oyote. Mais ce sont eux qui vont dire que ozolo kandeko na yo ndeko na azanga ki azana nanite akota ki zamba. OK. Pesa biso $200 okende ko luka kota la soki ozo ebembe. O soko pesi mbongo okoti zamba wana o récupérer ebembe nde okeko kunda. Soko zana mbongo te ebembeone za kopola kuna na kati ya zamba kuna. Ça fait mal, ça fait très très mal. Et vous allez nous dire à ce que to supporte FARDC mapinga na biso. Ces gens-là, bato baza ko kengela kuna bandeko. To zoloba kanisa ke to zosala maseki. Tous les commandants de cette Bataille, 15, 20 personnes, la plupart ce sont des Nilotiques et des Rwandais. La plupart ce sont des Rwandais. Batou, on les a vus. Batou, Balati, Bateni, Yafardese. Bazako, Tumba, Bandako. Heureusement que la population était déjà partie dans Zamba. Balandi, Bango, Kuna, na Zamba. Il va kende ko sala ba massacre na Zamba parce qu'ils avaient compris que non batwana ba koti Zamba. Ça c'est très flagrant et puis ils ont ça la passe mingi et ont ça la passe bandeko. Alors, nous allons parler de la logistique de notre FARDC, de nos FARDC bandeko. Tozana guerre, tozana batu o baza koloba que notre eko bunda. Nous sommes en guerre, n'est-ce pas? Batu oyo batie nani administrateur de territoire azali militaire. Il n'y a pas de camp militaire à Beni ni à Butembo. Ba soldats bavandaka na ba civils ensemble. Les soldats sont
peut-être ma bazala kana école tout ça, mais la plupart des temps ba foute la kabanda kuna kati ya ba cité. Ça c'est ça la réalité. Bon, ba to baza ko kengela biso ba lobby ono ba yebo ba koya ta msusu bazo occuper école moko boy ba fandi kuna nde ba to o ba tu a tout per sukola. Ils n'ont pas de tente. Restauration est à Mobulu. Je vous avais dit que non, en interview à Gilles Ngongo, on demandait est-ce que Batouana va foutre ma canéenne, va zoa kabali à canéenne. C'est vraiment inconcevable. Babylon, quand on veut vivre dans l'Est, vous allez vous demander à ce que est-ce que c'est la réalité ou bien d'ingéni. Batouana va zoa kota zamba, va kenda kazamba. Il n'y a pas d'appui logistique. Bango moko ba même akaba masasi na bango tout ça. La façon dont on est en train de combattre même bazolo banoko ba gagner et localité moko boye banani. Quand ils arrivent dans une localité, ba kolia ba taba ba kolia ba soso ya kati ya localité wana. Est-ce que bosi boyoka que non cantine ezali ba saleli cantine ou bien nandenge nini baza ko nourrir ba soda ou baza na front. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Mais bokoyoka mikolo nyonso que non mbongo ba pesi mbongo boye ba pesi mbongo boye ba pesi mbongo boye, ça fait très mal parce que nous connaissons comment ça se passe. Les soldats sont à la merci d'eux-mêmes. C'est ainsi que na kati ya ba nani wana ba unité wana msusu oyo eza pratiquement indépendant ka kutu msusu te. Oh non Johnny nde mtu aza ko kotala ba makamu na bango, logistique eza par terre ya faire des essais. Qu'on se le dit, c'est ça la réalité. Na ba armé mususu komo na ba hangar place à restauration, comment ba tu baza ko restaurer ba to baza na front baza ko rezala restaurer nini ba lia ka combien de fois tout ça, est-ce que santé na bango so ko za soda kuna obeli oza eza mobulu. On n'en parle même pas sur la santé des militaires qui sont au front. Bon, si ko na ba na nyo nyoso dans cette situation, comment est-ce qu'ils peuvent gagner une guerre? L'intelligence, n'en parlons même pas. Donc, sécurité, renseignement militaire, c'est presque inexistant là-bas. Moi, je vous dis ce que j'ai comme information. Il y a des activistes, même ceux qui sont dans le FARDC, ce qu'ils nous rapportent d'eux-mêmes, que Germain, on ne peut pas gagner cette arme. C'est impossible, cette guerre. C'est impossible. L'armée Nabisso est désorganisée. Et na kati ya désorganisation na ndoko kuta sikoba mafia au niveau nyoso ezala na colonel tina caporal. C'est ainsi que les soldats eux-mêmes ba militaires bazoke na front eza siko tangu bakobeta ba gagner moi esika eza siko moi soulagement na bango parce que kuna ba okuta. Et loko nyoso tu ba okuta kuna ezala manioko ezala nini ba okota na banda kwana. Pratiquement, ma village est comme vide. Batouazonga kate, baokuta, batouasiba kimaki, baokota na banda kuana, baokuta se bakuti fufu ale. Basali ndengwana balie bakei. Il y a même une certaine unité moko boe bakuta na ki kote a kote a via isa le koto. Bakuta makikuna bazangi, bazo senga bilo kwa kolia. Ça, c'est une réalité. Mais à côté faire des sessions, on vous dit ça, ils vont vous dire que vous êtes en train de mentir. Bakoye biso ke tozo kosa parce qu'ils ne veulent pas ce que babiloko oyo eyebana. Mais ceux qui biloko eyebani te toko gagner ka guerre oyo ndenge nini oyo nyonso pona kokosa mokonzi ayebi biloko te. Il ne connaît, il est absolument blank, ayebi biloko mokote. Les réalités, on est en train de les cacher. Les députés en parlent. On ne peut pas condamner les députés à ce niveau-ci. Les députés en parlent. Il y a moi tout le monde qui dit que le langage est comme mi balé mi satu. La population parle de la réalité. Politiciens, oh, à côté, il y a président. A quoi il dit que non, ma cambozo qui est bien. Oh non, il y a un certain avancement. Mais c'est encore pire qu'avant l'état de siège. Nous demandons que le président de la République puisse faire une évaluation. Oya sala kiwana eza biloko moko ya pamba. Je crois que il devrait absolument ayoka yemoko sur terrain qu'il essaye un peu de trouver un autre mécanisme pour qu'ayeba comment faire.
Parce que le même système, oh, bah, toi, ça, comme c'est Babylon, quoi, na, bah, information, na, et ça, bah, information, moko, biaisé. Ce n'est pas la réalité qui est sur le terrain. Et à base de ça, il est en train de prendre des mesures qui sont, qui ne favorisent même pas, qui ne le favorisent pas. Bah, tu vas en faire dire, loco, oyo, pour que tu pousses en 2023, et que comme il a dit que tant qu'il fallait avoir des décisions, tant et qu'on a la lissoute, il est grand temps qu'il puisse se réveiller pour corriger le tir. Batouana Nyonso, tout le militaire, à partir des généraux, moi je crois que selon la population, comme on le disait, il fallait ba cantonner Batouana Nyonso, mettre une nouvelle classe à Piabatata, à Tabali Kili au bazar à côté à l'ouest, Bakendekounez à l'armée à Sika, ou à côté de moi, ma relation avec la population pour Likamboyo est si là. On va s'arrêter là aujourd'hui, espérant que ceci vous a plu. Je vous rappelle encore une fois de plus, si vous êtes là pour la première fois, ne manquez pas de nous laisser un message, ne manquez pas de vous abonner, surtout mettez un j'aime ou bien un j'aime surtout parce que ça nous renforce, ça nous édifie, ça nous donne du courage de continuer à faire ce travail. Demain, nous parlons encore une fois de plus de l'organisation de notre pays. Aujourd'hui, nous n'avons pas donné la solution parce que la solution Ezaka kamoko, tokolo belango lobi solution ezandengenini pour que Likambo est ici là. Ba insécurité na ba massacre wana. Mais je vous rappelle que ici à Contact Pro Live, nous croyons à une solution globale de la République démocratique du Congo. Nous devons refondre cet État et initier les réformes dès maintenant pour espérer qu'en 2023, 2025, 2026, qu'on ait un nouveau Congo. Merci beaucoup. On se revoit demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.